Membre société de la dernière génération, bonjour. Comment nous y est? Monsieur est certain avec Jésus, tout bagaille allait bien. Jeudi, c'est dimanche 6 septembre. Leçon école sabbat rentrée la caille. Frères et sœurs, on a étudié leçon. Leçon 11, qui est vous dit raconter l'histoire de Jésus. Avant tout, la pli, l'origine matinale là pour vous, jeudi 6 septembre, c'est tension nerveuse. Tension nerveuse. Et verset de méditation, nous, nous venons dans Genèse 3, verset 23. La reprend. Tension nerveuse, verset de méditation, nous, c'est Genèse 3, verset 23. Racontez l'histoire de Jésus. Verset nous gagnons pour nous qu'il dans la tête, nous en dit. Cela, je vous l'ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Je lis dans 1 Jean, verset 1 Jean 5, verset 13. En baissant tête, nous sommes capables d'implorer la puissance divine. Éternel, notre Dieu, notre Père, comme nous en Jésus-Christ, nous bénissons, nous glorifions, nous exaltons ce grand nom, car c'est vous-même et c'est vous seul qui méritez louange et adoration. Merci Seigneur, parce que vous permettez de nous réveiller bien vivant. Amen. Merci Seigneur, parce que vous êtes toujours là pour nous, vous êtes toujours près de nous, pour ne rien y arriver. Merci parce que nous avons assurance que nous sommes toujours avec nous. Merci parce que vous protégez nous, gardez nous, prenez soin de nous. Et dans la minute, ça, cher Seigneur, nous allons parler dans nous, permettre que Seigneur nous soit capable de vous lever nous avec Jean-Moi dans tout mon Seigneur et qu'on s'en a dit la vérité, on a dit ça nous l'a dit, on a dit ça ou même Seigneur et vraiment. Ça, nous va glorifier et nous-mêmes aidez-nous pour mettre en pratique, cher Seigneur. Avec nous, dirigez la vie, nous protégez-nous, cher Seigneur. Nous prions pour ça au nom de Jésus. Amen. Partie dimanche lundi, Jésus, la raison de notre témoignage. Côté à fait, nous connaissons que en tant que chrétien, nous tous avons une histoire personnelle pour nous capables de raconter. Histoire que Jésus, comment Jésus change la vie, ça le fait pour nous. Frères et sœurs, nous allons pour nous lire Éphésiens 2, versets 1 à 10. Nous poser nos questions, nous dire comment nous t'aillons, comment nous t'aillons avant de connaître Christ. Et là, nous finissons contre Christ, qui ça nous gagne, qui a qui ça qui nous vient joindre. Là, nous accepter Christ. Si nous gardons notre là, le avant nous te connait Christ, frères et sœurs, avant nous te accepter la parole de Dieu dans nous, lumière ça, qui vient éclairer nous, dans fait noir que t'es, nous te sans but, nous te des morts, nous te sans espoir, sans espérance. Tout ça t'a conduit nous, c'était des. C'était la chair. Nous étions par nature petite colère.
Oui, avant nous te connaître Christ, frère et sœur, nous te nan bouyay, en bon créole. Nous pas te connaître rien. Nous te erré, nous te sans but. Et nous pas te grand kin, en kin acquis. Nous te nan condition déchue, frère et sœur, c'est comme ça. Nous décrivons pour nous l'être sans Christ. Mais là, nous venons gagner la vie en Jésus. Là que nous venons remettre la vie nous à Jésus, nous venons accepter Jésus dans la vie nous. Nous venons gagner le bonheur. Nous venons des mondes qui ont espérance. Et qui s'acquitte bien pourtant encore. Gagner le don du salut, frère et sœur. Quelle merveille! Leur monde en Christ, non seulement vous sentez la joie dans le cœur, qui ont bonheur, mais tout gagner le don du salut. Christ réveille-nous, il fait nous chita ensemble dans le lieu céleste. Oh, frères et sœurs, Dieu a vraiment, il décrit que Christ lui-même, il fait tout ça, c'est par amour, c'est-à-dire, il connaît grandeur, amour, lui. Et à travers richesse surabondante, grâce, il fort connaît que c'est grand dans les yeux. Oui, c'est merveilleux, frères et sœurs. La vie ou caché dans Christ, ou accepter Christ dans la vie ou pas même encore, ou changer, ou gagner en lumière. Et Jean déclaré dans Jean 1, dans Jean 1er, verset 14, il dit, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Oui, frères et sœurs, capable de dire que Léon mon accepte Christ, gagne la vie, gagne la vie éternelle, c'est-à-dire au moins acquis, gagne le don du salut. C'est refléter le caractère Christ en vous-même chaque jour. Fais effort pour capable de refléter vraiment le caractère Christ. Tu as quitté nous avec deux, trois questions. Dis-nous, Lynn, en Éphésiens d'abord. Que nous indique ce texte sur combien les bonnes œuvres sont centrales dans la foi chrétienne? Comment comprenons-nous cette idée dans le cadre du salut par la foi en dehors des œuvres de la loi? Dans Romains 3, verset 28. Et dernière question dit, en quoi